Slow for me, tick tock for me, baby, jump it like that. I want to move slow to me, cautiously, baby, I love it like that. Cause when you're dressed up in your two piece and your short shorts, baby, you really look good. I got to ask you what you use on your skin, baby, tell me how your skin so smooth. Cause when you went slow on me, you tick tock on me, baby, I love. Mes amours, wow, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Gibbs, Wine Slow For Me, bouffe lentement pour moi. Oui, cette chanson, je l'aime beaucoup et je vous conseille de l'écouter. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre, vous savez qu'aujourd'hui, ça va être une vidéo assez atypique, hein, parce que ça va être une vidéo pour vous montrer les erreurs que vous faites tout le temps dans le lit avec nous les femmes. Oui, je ne suis pas sûre que nous aimons à 100% ce que vous nous faites dans le lit. C'est pour ça que aujourd'hui, je voudrais que vous évitiez de faire ça. Oui, en effet, mes chéris, des fois, vous ne voyez une fille qu'une seule fois et vous vous étonnez par la suite. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut plus vous revoir? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut plus faire des choses avec vous? Mes chéris, dans cette nouvelle vidéo, je vous apporte des réponses concrètes, des choses à faire et surtout des erreurs à ne plus faire. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, mes chéris, comme d'habitude, pour ceux et celles qui sont déjà dans la famille, je vous dis grand merci de vous être abonnés. Pour le reste, oui, pour vous qui me voyez pour la première fois, je suis Rose Mouni et je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et voilà, donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, mes chéris, je sais que bon nombre d'entre vous sont très très volontaires. Oui, vous voulez bien faire la chose, mais vous devez d'abord cerner le concept de zone érogène. Ça veut dire qu'il y a des endroits, hein, c'est pas seulement sur la fleur, mais tout autour aussi, partout, tout autour. Vous devez déjà comprendre ce concept-là. Du coup, mes chéris, vous allez simplement prendre le temps de vous occuper de tout autour, de tout ce qu'il y a tout autour. Bien sûr, ne restez pas trop longtemps ailleurs, sinon madame va finir par s'ennuyer. Ne zappez pas l'essentiel, sinon elle va finir par s'ennuyer. Numéro 2. Oui, l'erreur que vous faites souvent, vous n'écoutez pas. Écoutez-la, écoutez madame, écoutez, pas forcément, je ne dis pas entendez, mais je dis écoutez. Parce que lorsque vous écoutez, ça peut être gestuel, ça peut être physique, ça peut être verbal aussi. Vous devez écouter mes chéris. Si elle est là, statique, nette, elle ne bouge pas, elle regarde le plafond. Genre, putain, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer. C'est qu'il y a un problème. Vous ne faites peut-être pas ce qu'il faut. Et sachez que les femmes ne sont pas toutes les mêmes. C'est pas parce que Pauline a aimé ça que Josiane va aimer ça. C'est pas parce que Pauline a aimé ça que Fabiola va aimer ça, mes chéris. Par ailleurs, si vous voyez que peut-être vous avez testé plein de petits trucs et qu'elle était réactive à un moment précis, vous voyez, peut-être vous avez fait un geste précis, elle a aimé, vous devez peut-être insister dessus, continuer sur cette lancée. Et même, vous pouvez aller jusqu'à poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères? Est-ce qu'il y a des gestes que tu préfères? Vous voyez, des fois, c'est tout bête, hein? Et alors, si vous insistez, là, vous continuez, vous voyez bien que c'est pas ça. D'ailleurs, même des fois, la nana est crispée. Mais, ah, vous les gars, vraiment, ça vaut pas la peine, hein, les garçons. Des fois, je dis, mais punaise, pourquoi vous venez pas à l'école chez Rose Mouni? En troisième position, utilisez vos petits fouineurs là. Utilisez-les, servez-vous-en. L'avantage d'avoir la tête là-bas, en bas, c'est que vous avez les mains qui sont dispo. Servez-vous-en pour stimuler tout ce qui est autour. Et même des fois, vous pouvez carrément vous en servir pour stimuler là-bas aussi. Que lorsque vous servez de tous ces éléments, vous donnez tout simplement deux fois ou voire même vous triplez, vous quadruplez tout simplement. C'est le plaisir, mes chéris. Donc, comme je vous disais, mes amours, n'hésitez pas à t'adonner. Croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Hein? Bien sûr, mes amours, en numéro 4, alternez les mouvements. C'est pas la peine de faire que des gestes circulaires ou que des gestes de va-et-vient avec la langue. Non, 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 non. Vous devez alterner, vous devez modifier. Ça doit être vraiment tout un ensemble. Vous pouvez pas rester à ne faire que la même chose. Parce que ce qui lui a plu il y a deux minutes ne lui plaira plus à force de faire la même chose. Donc, vous voyez, vous devez varier, modifier, hein, faire tout le truc, le pimpon pour que. Et surtout, comme je vous ai dit, restez très, très à l'écoute. Une fois que vous voyez qu'elle a réagi à un certain stimuli, ben, vous continuez dans cette lancée et bien sûr, mesurez la force, l'intensité avec laquelle vous le faites. Ça, c'est très important. Un petit truc vraiment qui est très dégueulasse. Mes chéris, autant on adore les gestes de succion, autant on a horreur de ces espèces d'aspirations. Ne faites plus ça, s'il vous plaît. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes le font. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Mais imaginez une espèce de ventouse avec, je ne sais pas, peut-être
combien de barres de pression en train de vous aspirer, c'est douloureux, vous voyez. Donc, c'est pas forcément très agréable. Oui, vous pouvez faire des petits gestes de succion, des petits gestes d'aspiration, mais des gros trucs, non, non, ne faites plus ça, s'il vous plaît, mes amours. Ne faites plus. Non. Numéro 5, mes chéris. Comme je vous disais tout à l'heure, autant vous ne deviez pas faire de grosses... Comme je disais il y a une seconde, autant vous ne devez pas faire de gros gestes de soucis, autant vous ne devez pas faire de grosses pressions dessus. C'est une fleur. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la fleur. Une fleur, c'est délicat, mes chéris. Vous imaginez, franchement, la plupart des femmes, lorsque, je ne sais pas moi, vous devez prendre exemple sur les femmes. Lorsque les femmes le font, elles sont douces, elles sont tendres et c'est souvent à la demande qu'elles le font avec violence. Donc, vous devez aller tout en douceur et respecter le rythme. Je ne sais pas moi, c'est pas la bagarre, faut pas cogner, faut pas taper, il ne faut pas appuyer avec force. Non, 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 non. Ne faites plus ça, mes amours. Vous aussi. Ah, dis donc. Les gars, là, ils sont même comment? Et le pire, même, c'est quand vous le faites au mauvais moment. Vous voyez, la fille, elle s'accroche, elle s'accroche, elle s'accroche. Elle dit que, ah, ce salopin, même s'il a envie de me gâcher mon machin, je vais m'accrocher jusqu'à la dernière minute. C'est là où vous partez tout gâter. Vous partez appuyer là où il ne faut pas. Là où il ne faut pas. Et du coup, ça gâche tout. Non, allez-y en douceur, s'il vous plaît. Faites-le doucement. D'accord? Je suis là pour vous donner des bons conseils. Et vous allez vous étonner, que la gava rôde autour de chez vous comme un chien qui rôde autour de son os. Maintenant, en numéro 7, un truc que j'ai jamais compris pourquoi vous faites ça. Vous utilisez juste une petite partie de la langue. C'est pas agréable. Non, mes amours. Lorsque vous faites ça, mettez toute la langue. Donc, mangez comme si vous étiez en train de manger, je ne sais pas, une glace ou quelque chose, déguster. Parce que lorsque vous mettez un petit peu la langue, c'est genre, je suis dégoûtée, ah, quelle horreur, je n'aime pas. Non, soit vous le faites, soit vous le faites pas. Et quand vous le faites, faites-le bien. Faites-le bien, bien et bien. Prenez-le en pleine bouche. Il n'y a rien de plus chouette que ça. Du moins, pour une femme. Après, pour vous, je ne sais pas. En numéro 8, on ne le dira jamais assez. Humidifier, humidifier, humidifier. Oui, humidifier. Mes amours, c'est comme chez vous, c'est comme partout. Lorsque c'est sec, c'est désagréable. Oui, vous devez humidifier, vous devez mouiller, vous devez vraiment faire. Parce que plus c'est mouillé, plus c'est humide, plus elle le ressent intensément. Et c'est pour ça que ça doit être complètement humidifié. Maintenant, attention, attention, je n'ai pas dit les moulards. Vous, avec vos gros moulards, non, je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas acceptable. Non, refuser, rejeter. Quelqu'un, toi, si tu es une fille et que tu regardes ça, quelqu'un qui te crache un moulard là-bas, tu mets le boulard dehors. D'accord? Ok. On ne va pas commenter cette phrase, mais c'est ça. Numéro 9, mes chéris. Soyez patient. Une femme, c'est pas comme un mec. Nous, on vient pas de la même façon que vous. Une femme, ça prend son temps. C'est comme un moteur diesel en douceur. En douceur, ça monte lentement, doucement, progressivement, mais ça monte. C'est pour ça que si au bout d'un moment, vous êtes fatigué ou des fois, les muscles sont fatigués, oui, ça fait mal. Même là, hein, long, ça fait mal. Donc, si jamais vous ressentez ce genre de fatigue, servez-vous encore de ces petits fouineurs. Oui, allez joyeux, hein, il y a le torse, il y a tout et tout et tout. Allez vous amuser ailleurs, mais vous ne pouvez pas vous arrêter au milieu. Ça aussi, c'est inacceptable. C'est un disqualificatif, disqualifié immédiatement. Quelqu'un qui s'arrête au milieu, ma chérie, tu le fous à la porte. Oui. Clair et net, propre. Donc oui, vous utilisez ce que vous voulez, des superflus, ce que vous voulez, vous allez jouer ailleurs, vous allez tripoter ailleurs, mais vous revenez finir votre travail. Donc soyez patient et dites-vous qu'à la fin, vous allez entendre un magnifique ah, comment on fait? Ah, je sais pas, bref, je ne vais pas limiter à chacun son truc. Ah, mes amours, aujourd'hui c'est compliqué. Numéro 10 pour clore ce sujet, chérie. S'il vous plaît, sachez vous arrêter. Lorsque madame a fini de faire sa symphonie, son n'importe, je ne sais pas lequel, mais quoi que ça diffère vraiment, il y a les kamikazes, les chanteuses, les symphonies, il y a de tout, vous les hommes, vous seuls les hommes, vous savez ce que vous entendez souvent. Donc, une fois qu'elle a fini de pousser son cri de guerre, son cri de guerrière et tout, arrêtez-vous net. Parce que nous sommes des sensibles. Autant nous sommes des sensuels, autant nous sommes des sensibles. Lorsqu'elle a fini son affaire, là, toi aussi, il ne faut pas aller là-bas. Oh, tu vas aller la fatiguer encore. Une fois que c'est fait, c'est bon, il faut t'arrêter. Nia,
c'est bon. D'accord? C'est pas la peine de recommencer parce que c'est douloureux en plus. C'est vrai, hein? Ça c'est vrai vraiment. YouTube à part, vidéo à part, c'est douloureux. Donc quand vous continuez alors que c'est déjà bon, ça le fait pas. Et bien sûr, on va terminer sur ça. Mais avant de terminer, je voudrais vous dire, oui, vous avec vos dents de requin, vos dents de crocodile, vos crocs que vous allez souvent nous mordre. Je ne sais pas ce que vous partez mordre là-bas, mais les dents, ravalez vos dents. Lorsque vous faites, c'est comme des 100 dents. Juste là, 20, 20, 20, 20. On va pas se sauter, mais rangez vos dents s'il vous plaît. D'accord, donc c'est sur ça que je vais terminer aujourd'hui, hein. Bien sûr, messieurs, si jamais vous avez des questions, j'avais fait une vidéo aussi sur les précautions à prendre avant de le faire, avec qui il faut le faire, quand il faut le faire, comment il faut le faire. Je ne reviendrai pas dessus parce que tout est sur cette vidéo, mais il y a des signes quand même qui ne trompent pas. Par exemple, des boutons de fièvre sur le minou. Niet, tu touches pas mon gars. Ça, c'est pas bon. Elle va te contaminer avec un truc que tu ne soigneras jamais parce que ça ne se soigne pas. L'herpès. Et bien sûr, il y a plein d'autres petits symptômes. Les odeurs, machin, machin, niet, tu touches pas. Là-bas, c'est malade. Donc, il y a plein de petits conseils que je vous avais donnés dans une autre vidéo. Vous pouvez directement aller voir, vous pouvez directement aller prendre conseil. Hein? Je vous aime très fort. Je vous porte dans mon cœur et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là. Prenez grand soin de vous, sachez que je vous aime très très fort. Bisous, bisous.